Ce sont au total 713 allocations qui seront payées à tous les assurés CNSS sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, des changements sont observés comparés aux années précédentes. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'amélioration pure et simple vraiment des services actuellement. Parce qu'avant, ce n'était pas vraiment ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Nous remercions le président de la République, M. Oligui Nguema, d'avoir placé l'équipe dirigeante actuellement de la CNSS qui abat un travail de fourmi, un travail énorme. Il y a une forte amélioration des qualités de travail actuellement, de l'exécution au paiement des dossiers. Nous bénissons Dieu à ce qu'il a placé ce président, le président de la République, et il a placé cette équipe dirigeante de la CNSS actuellement au Gabon. Sous la tutelle conjointe des ministères de la Santé, des Affaires sociales et des Comptes publics, la CNSS attelle depuis l'arrivée des autorités de la transition à rendre leur dignité aux retraités, ce qui ne laisse pas insensibles les principaux bénéficiaires. J'ai reçu l'annonce que je devais prendre ma pension de retraite. Et c'est pour cela que je suis venu récupérer le chèque qu'ils m'ont donné. J'avais déjà plus de 62 ans, je pouvais faire déjà un dossier pour la retraite. Et je l'ai fait. Ça fait, je crois bien, moins d'un an. La Caisse nationale de sécurité sociale tient toutefois à rassurer ses bénéficiaires dont les dossiers sont encore en cours de traitement, qu'elle met tout en œuvre pour aboutir à un paiement dans les meilleurs délais.